Je me suis fabriqué un nouvel avion sur le Lego de Fortnite. Et regardez comment c'est trop stylé. Je peux voyager en avion si j'ai envie. Et je peux choisir la direction aussi si j'en ai envie. Hein. Si je veux tourner à gauche, hop, je fais comme ça et je tourne à gauche. Si je veux tourner à droite, j'active le réacteur de droite. Et le de gauche et je peux naviguer sur la droite. Bien entendu, cet avion est fonctionnable sur l'eau, sur la terre et dans les airs. Parce que sur l'eau, j'ai des ballons, donc je peux flotter et je peux me déplacer avec les réacteurs. Et sur la terre, j'ai mis des roues qui me permettent de pivoter et de me garer si j'ai envie de me garer. Et même de choisir ma piste de décollage. Donc là, on va essayer d'atterrir correctement quelque part. Par ici, c'est plutôt pas mal. Hop. Et maintenant, je vais vous montrer comment j'ai réussi à créer cet avion qui est plutôt stylé. Donc c'est parti. Donc première chose que j'ai fait, c'est que j'ai créé comme d'habitude une chandelle dans les pièces de véhicule. On va créer une grande chandelle. Ouais, je pense que même une petite, ça suffira. C'est parti. Ensuite, dans Général, j'ai choisi la base dynamique S que j'ai placée sur ma chandelle. On va la placer comme ceci. À l'avant du véhicule, j'ai placé le moteur. Donc j'ai placé un petit moteur. Vous pouvez mettre un gros, mais je pense pas que c'est nécessaire. On va le mettre bien sur l'avant du véhicule, bien centré. Juste derrière, je vais mettre le siège passager, enfin conducteur. Ensuite, à l'arrière, dans les pièces de carrosserie, j'ai placé la base de véhicule 03. Je l'ai placé bien à l'arrière, comme ceci. Ça, c'est pour faire l'aileron. Après, j'ai mis des roues motrices de taille S que j'ai maintenu la fixation. Donc, quand vous maintenez la fixation, ça se place tout seul. Et je l'ai placé deux carrés blancs à côté du carré du rectangle jaune. Donc vraiment là, essayez de le placer au même endroit que moi. Après, j'ai pivoté. Ah non, j'ai pas pivoté. J'ai descendu plutôt. Je suis descendu d'un cran pour qu'il soit bien tout en bas du véhicule et je l'ai placé. Ensuite, j'ai fait la même chose de l'autre côté. J'ai maintenu. Je l'ai mis sur le deuxième carré et là, j'ai descendu. Voilà, comme ceci. Maintenant, j'ai placé des roues de taille LS alimentée cette fois-ci, donc pour avancer. Donc là pareil, hein, je maintiens, parce que si vous ne maintenez pas votre bouton de fixation, donc L2, vous ne pouvez pas placer l'objet, la roue. Vous maintenez le bouton et là vous descendez d'un cran pour le placer comme ceci. Et je fais pareil de l'autre côté, je descends d'un cran. Alors le véhicule est tombé de la chandelle, mais c'est pas très grave. Là, j'ai tout simplement enlevé la chandelle. Si vous voulez pas qu'il tombe de la chandelle, vous ne placez pas les roues à l'arrière en premier. Vous placez d'abord les ailes que je vais placer maintenant. Donc les ailes, je les ai fabriquées avec le sol ardoise 01 fin. Et je l'ai placé au-dessus de la roue. Vraiment, regardez où je mets mon pointeur. Je le mets là. Je l'ai placé au milieu, enfin au-dessus de la roue, au milieu. Et j'ai décalé l'aile comme ceci pour que normalement elle se place. Donc regardez, elle est bien au milieu de la roue. Et ensuite, j'en ai créé trois. Comme ceci, une à côté des autres. Pareil, de l'autre côté, au milieu de la roue. Vous visez avec votre pointeur. Vous la placez au milieu de la roue, au-dessus. Et vous faites pareil pour les deux autres. Voilà, donc là, on a les ailes de devant. Maintenant, on va placer les ailes de l'arrière. Alors, pour les ailes de l'arrière, là, j'ai choisi la planche ardoise 03 fin. Hop, et je l'ai placée à l'arrière. Donc tout à l'arrière, vraiment au bord. Je l'ai centré, hein, bien évidemment. Donc là, c'est bon, elle est bien centrée et je l'ai bien placée au bord. Donc voilà, ça donne ceci. Maintenant, on va mettre un ballon à l'arrière. Parce que si votre véhicule est tombé de sa chandelle, il va falloir mettre un ballon à l'arrière, voire même deux. Voilà. Parce qu'il va falloir placer les réacteurs en bas. Donc pour placer les réacteurs, j'ai choisi des petits réacteurs que j'ai mis ici, donc tout à l'arrière. Voilà, je les ai mis vraiment ici. Bon, le véhicule bouge un peu, donc c'est compliqué, mais je les ai vraiment mis dans le coin. Ok, ça va pas marcher, on va réessayer. Hop, voilà. Et là, je les ai mis dans l'autre coin. Ensuite, vous pouvez casser les ballons. Et maintenant, on va mettre un gros réacteur à l'arrière. Je pense que j'ai mis un gros. Hein. Ouais, j'ai mis un gros. On va mettre un gros réacteur à l'arrière. Donc, pour le mettre, comme d'habitude, il faut maintenir le mode cycle fixation, donc L2, sinon le réacteur ne se met pas, le propulseur ne se met pas. Donc là, je vais le mettre plus ou moins vers la hauteur. Voilà, le plus haut possible. Mais qui ne dépasse pas l'aileron d'arrière. Et on va mettre des petits propulseurs sur la gauche et sur la droite. Là, il n'y a pas besoin de maintenir la touche L2 du mode fixation. Ça passe comme ça. Et pour finir, on va mettre des petits ballons sur le véhicule. Donc juste à côté du siège. Donc vraiment
le dossier du siège. On va le mettre un ici et un à gauche. Et là, normalement, c'est bon. Vérifiez que votre ballon, votre avion touche bien le sol. J'ai l'impression que tout est bon. Alors maintenant, on va régler la direction des roues. Donc les roues de droite doivent être mauves pour aller dans le bon sens. On va mettre celle-là aussi. Hop. Et les roues de gauche doivent être bleues pour aller dans le bon sens. Maintenant, ce qu'on va faire aussi, c'est utiliser la clé à molette pour régler les réacteurs. Donc le réacteur de gauche, moi je mets le canal 1 pour le bouton triangle. Le réacteur de droite, je mets le canal 2 pour le bouton rond. Et le canal, enfin, les réacteurs, le réacteur de derrière et le réacteur du bas, les réacteurs du bas, je les laisse sur X, donc le canal 3, pour m'envoler. Donc maintenant, je m'assis. Là, vous allez pouvoir remarquer que je peux diriger l'avion. Bon, difficilement parce qu'il plane un peu. Donc ce qu'on peut faire, à la limite, c'est à la place de placer deux ballons, on va en placer qu'un seul. Et on va le mettre juste derrière le véhicule, juste derrière le siège passager. Hop. Pas coller, parce que si vous le collez, vous ne pourrez plus vous asseoir. Et là, normalement, ouais, je vais pouvoir diriger l'avion plus facilement. Parce qu'en fait, quand vous avez deux ballons, le problème, c'est que l'avion plane trop vite. Vous n'avez pas besoin de deux ballons. Je pense qu'un ballon, c'est suffisant, c'est mieux. Et là, ce qu'on va faire, c'est que si on veut décoller, eh bien, on appuie sur X, on cherche une piste de décollage, on appuie sur X, et ensuite, oula, je vais me prendre l'arbre, ça continue. Et ensuite, bah, on décolle. Mais bon, vous avez vu, hein, il faut une bonne piste d'atterrissage, enfin de décollage. On va essayer là pour voir si ça passe. Parce que même avec le réacteur du bas, c'est pas forcément évident. Hop, voilà, là on a réussi à décoller, c'est parfait. Ok, là je bug. Normalement, je suis assis, hein, mais le jeu bug, voilà, parfait. Et donc, si je veux tourner à droite, ben, j'active le réacteur de gauche. Et si je veux tourner à gauche, j'active le réacteur de droite. Et comme ça, je peux voyager. Et si je veux même plus de vitesse, ben, là, j'active sous le réacteur et j'irai un peu plus vite. Et normalement, franchement, le véhicule, il est assez résistant. Donc, même si vous cognez contre un arbre ou quoi, ça se cassera pas facilement. Moi, j'ai jamais réussi à le casser. Donc, ils ont bien renforcé les constructions dans le mode Lego, donc maintenant ça casse très très difficilement, donc c'est assez fun. Et regardez, je vais vous montrer que je peux carrément naviguer dans l'eau, hein. Là je plane tranquillement pour atterrir dans l'eau, et ensuite si maintenant je veux naviguer, oula, il faut pas détruire votre véhicule, hein. Faites attention, quand vous tombez dans l'eau, ça vous enlève du siège, et si vous avez votre bouton maintenu sur la pioche, ben, vous allez foutre un coup de pioche, donc faites attention à ça. Donc, maintenant si je veux avancer, ben, j'appuie sur X. Ah ouais, non, je saurais pas. Si je veux avancer, ouais, c'est ça en fait. Si je veux avancer, il faut que j'appuie sur les deux boutons. Donc, triangle et... Oula. On va se prendre le rocher, là, ça continue. Donc, il faut que j'appuie sur rond et triangle pour avancer. Bon, le problème, c'est que on part trop sur la droite, à la gauche. On va plus... Voilà. Hop. Et là, j'appuie sur les deux en même temps et regardez, là, j'avance. Si je veux tourner à droite, je désactive le réacteur de droite. Si je veux tourner à gauche, je désactive le réacteur de gauche. Et là, je peux voyager même dans l'eau. Et si maintenant je veux prendre mon envol, ben, j'appuie sur X. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo d'information vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à partager. Code créateur SC.